Est-ce que vous avez compris que le métaverse, c'est pas pour demain, le train, mais dans l'application qui en est faite actuellement à travers ce qu'on fait ensemble, à travers ce qu'Abyss fait, il y a une réflexion générale, c'est qu'est-ce que, et philosophique, tout à fait. Qu'est-ce que va devenir le chirurgien, l'homme, le patient. Et j'ai demandé à Eric de réfléchir là-dessus et de nous dire un peu sa pensée, parce que c'est un chirurgien chercheur, parce qu'il a toujours été à la pointe de ce qui se faisait. Et donc, on verra, on prendra encore quelques questions après, et puis tu nous feras une démonstration, où tu montreras de lunettes 3D après. Voilà, Eric. Merci. Donc Eric Allaire, on ne le présente pas, c'est un chirurgien vasculaire, professeur, qui a fait sa carrière en Henri Mondor, dans les pas de Didier Meyer, puis de Jean-Pierre Beckmann, et il a dirigé le laboratoire de technique chirurgicale pendant des années, et grâce à Hélène, qui malheureusement a dû s'absenter pour des problèmes techniques sur notre voiture, me l'a présenté il y a quelques années, et il a eu le coup de foudre, non pas pour moi, un peu pour Hélène, mais surtout pour le challenge que représentait la chirurgie de la dysfonction érectile. Mais là, il va pas vous en parler, il va parler de ce que représente toute cette technologie moderne de modification, sans doute de notre mode de vie, en tout cas de notre mode d'exercice. Merci Eric. Monsieur le Président, cher compagnon, Ronald, merci. C'est un sujet difficile. Je veux dire que quand j'ai lu le mail avec le titre de la présentation que tu souhaitais que nous concoctions sur ce sujet, j'ai mis plusieurs minutes à réaliser l'ampleur de la question. Et finalement, jumeaux numériques, jumeaux d'abord, chirurgie. Et je me suis dit, le 30 juin 1559, Henri II, au cours d'un duel, reçoit la fameuse lance qui lui transperce le globe oculaire. Ambroise Paré est convoqué. Comment va-t-il faire? C'est le roi de France. Il ne faut pas se tromper, il faut faire une bonne opération. Il n'a jamais fait ça. Ben, il va chercher des jumeaux du roi de France. Les jumeaux du roi de France, ce sont des gens condamnés à mort, qui ressemblent au roi de France, puisqu'ils ont un œil, ils ont un front, il leur manque la lance, qu'à cela ne tienne, on met la lance dans l'orbite, et puis on va tester des hypothèses opératoires. Partons de là. Donc, un semblable qui n'est pas soi, puisqu'il est numérique, qui n'a pas de droits humains, je ne sais pas si c'est une notion importante, oui certainement, puisque on peut tout faire, tout pratiquer, tout tester sur ce jumeau numérique. Alors, ce jumeau numérique, il est un peu plus que le malheureux prisonnier sorti de sa cellule, puisque on peut en avoir une anatomie qui est extrêmement fouillée, qu'on peut tourner dans tous les sens, on peut choisir l'échelle d'analyse de cette anatomie, on peut rajouter l'anatomie d'une tumeur que l'on va extirper, et donc on a effectivement un environnement hautement enrichi pour le chirurgien qui va perpétrer son intervention chirurgicale. Alors, ça veut dire qu'on va dedans, on va dans le corps, on va dans la profondeur du corps. Et vous savez que, évidemment, nous savons tous que la chirurgie occidentale est née de la transgression de cet interdit, qui est de regarder à l'intérieur du corps. Alors, on n'a plus la notion de la force de cet interdit. J'ai été extrêmement surpris de savoir que les Grecs, au temps des grands philosophes grecs, s'interdisaient de creuser dans la terre pour extraire des minerais,
parce que le monde nous est donné sur une apparence externe qui est l'enveloppe externe, on peut penser à la sculpture grecque, mais qu'il est interdit de modifier cette enveloppe et encore moins de la déchirer pour voir à l'intérieur. Et il a fallu finalement le pape Clément VI, au XIVe siècle, à l'occasion d'une peste, pour que l'autorité ecclésiastique dise « Ok, on va pouvoir regarder à l'intérieur ». Donc, finalement, ce jumeau numérique, c'est une hypertransparence du corps auquel on va pouvoir ajouter le psychisme, parce que la transversalité des savoirs fait qu'aucune raison de se limiter à l'anatomie. On va pouvoir ajouter, avec les lunettes que Sylvain va nous faire essayer, on va pouvoir ajouter de nombreuses informations concernant le patient, sa résilience, sa capacité à suivre un traitement. On va pouvoir ajouter des gènes de susceptibilité de cicatrisation. Plus que ça, on va pouvoir dire bah, il a mangé cela, donc son gène de TGF-bêta va être à tel niveau, donc si j'incise ici, bah, peut-être que ça va être difficile, donc je vais peut-être passer par là. Les possibilités sont absolument considérables et infinies. L'autre point extrêmement intéressant, c'est que ce jumeau, nous avons parlé de trois dimensions, celle de l'espace, mais il y a la quatrième qui est celle du temps. Imaginez un bébé, vous faites son jumeau numérique, et au lieu d'attendre patiemment les 9 mois et diviser par 9 femmes, etc., vous allez pouvoir accélérer le vieillissement du jumeau. Et puis vous allez dire, eh bien, Julien, tu as 3 ans, mais dans 40 ans, ta colonne vertébrale va être très, très déformée. Donc, avant tes 4 ans, on va faire en sorte de te définir un programme pour que tu te tiennes bien droit, les coups de corps, pour que ta colonne vertébrale, lorsque tu auras 60 ans, eh bien, soit meilleure que ce que la bonne nature avait décidé pour 3. Donc c'est l'évolution du jumeau numérique dans le temps. Alors pour la chirurgie plus spécifiquement, nous l'avons vu, le jumeau numérique permettra de modéliser l'acte opératoire avant, pendant et après sa réalisation. Je dois dire que nous avons cette chance, Ronald a créé le caverno scanner, Sylvain nous l'a mis en 3 dimensions, je ne sais pas, il y aura peut-être une 4e, nous avons un peu évoqué cette idée, mais c'est déjà dans cet exercice chirurgical quelque chose qui est vraiment le vecteur du progrès. Alors, efficacité, sécurité du geste opératoire s'en trouveront renforcées. Au bloc opératoire, nous aurons des boîtes noires, comme dans les avions. C'est-à-dire, alors ça, c'est un thème qui est déjà très présent et qui a déjà été discuté dans cette assemblée, mais ça deviendra quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a des informations que l'on peut agréger, il est clair que on voudra faire la somme de ces informations, et comme nous aurons des moyens de stockage grâce, j'ai compris Sylvain, aux solutions que tu proposes, sinon infinies du moins immenses, eh bien, tout le déroulé de toutes les informations sur la planète seront sur une boîte noire, ce qui aura un intérêt pédagogique extrêmement important, mais également un instrument judiciaire non moins important, évidemment dédié à la sécurité du patient, mais nous verrons que peut-être ça pose des questions plus complexes à définir. Ce jumeau pourra servir à l'explication au patient de la chirurgie qu'il va avoir. On a dit tout à l'heure, c'est merveilleux. Oui, je sais pas. Parce que si on dit, vous savez, là, cette tumeur, vraiment, décidément, on a toutes les informations pour vous dire que on aura beau faire la chirurgie et on va faire la chirurgie. Mais de toute façon, dans 6 mois, ça sera terminé pour vous. Je pense que la notion de prémédication anesthésique devra comprendre aussi la prémédication après l'annonce de cette vérité extrêmement crue. Transparence, prédictibilité,
renouvellement du consentement du patient, hein, parce que le patient devient aussi informé que le chirurgien qui va l'opérer. Alors c'est une sorte de devoir de démocratie, mais j'insiste aussi sur le poids psychologique. Finalement, peut-être que le chirurgien, on l'a dit tout à l'heure, aura beaucoup moins de pression psychologique, mais peut-être qu'il va déplacer cette pression psychologique vers le malade. C'est d'ailleurs ce qui se fait en termes médico-légaux actuellement lors de l'information préalable à une intervention. Le jumeau numérique nous permettra de redessiner l'offre de soins, ça ne sera pas du luxe au temps des déserts de santé, téléconsultation, téléchirurgie experte, c'est déjà là et c'est formidable. Ces transportations de soins enrichies de données et d'assistances numériques diverses, hein, on peut ajouter des fonctionnalités pratiquement à l'infini, supplanteront à l'évidence ce qu'est actuellement une consultation en présentiel. Je crois que la durée moyenne d'une consultation en médecine générale en France actuellement, c'est de 7 minutes. Donc, c'est sûr que si on fait du virtuel avec tout cet appareillage autour, très rapidement, la manière de consulter, la manière de soigner, la manière de l'organiser sur un territoire et à travers des populations, tout cela sera profondément modifié. Le savoir, le pouvoir de soigner seront définitivement déplacés, car où est l'expertise? Qui est l'expert? On commence déjà à se trouver confronté à ces questions lors de consultations. Alors ce jumeau numérique sera accessible à tous, ou au contraire réservé au fameux colloque singulier patient-chirurgien, ou encore à des décideurs publics, ou encore à des décideurs privés qui en seront les propriétaires. C'est beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Il dit argent, pouvoir, répartition des pouvoirs. Quelle sera la répartition des pouvoirs autour de ces outils numériques dans le soin quotidien apporté aux patients? Pour le quatrième âge, ce sera merveilleux. Le Japon, qui a été la première société industrielle vieillissante, a depuis deux décennies développé des robots d'aide à la personne. La classe moyenne d'un pays comme le nôtre n'a tout simplement pas les moyens d'assurer une prise en charge correcte de son quatrième âge, parce que la main-d'œuvre coûte cher. Un robot coûte moins cher. Eh bien, un robot, il a un jumeau qui est la personne qui va soigner, il a son plan de soin, ça existe déjà, et il applique ce plan de soin à la personne qu'il va soigner, et il y a tout un système de surveillance, de conformité, pour éviter que dans les journaux apparaissent des scandales qui dérangent tout le monde, mais dont tout le monde connaît l'existence depuis bien longtemps. Alors, nous vivons peut-être la fin de l'ère clinique, au sens de la consultation hippocratique. D'ailleurs, les patients se plaignent que les médecins ne les examinent plus beaucoup. Alors, il y a de mauvaises raisons, très mauvaises raisons, dans l'académie de chirurgie, il faut le dire, affreuses raisons qui n'ont aucune place actuellement. Il faut examiner les patients. Mais il y a des raisons aussi qui sont des déplacements de l'information, ou plutôt de la source d'information. Il est clair qu'en vasculaire, quand vous avez un patient avec un anévrisme devant vous, c'est le scanner que vous regardez, c'est pas trop le patient. En tout cas, vous regardez pas le patient pour savoir l'opération que vous allez faire. Vous regardez le patient pour lui parler et pour peut-être le rassurer sur son avenir. La clinique, ça a été, à partir du XVIIIe siècle, l'hôpital. L'hôpital, on s'en plaint, mais c'est sa fonction. C'est un milieu de standardisation, c'est-à-dire que on sort le malade de chez lui, de son environnement très très compliqué, avec des influences multiples, son épouse, la soupe qui n'est pas bonne. On le met dans un environnement très très standardisé. Et du coup, on lui fait sortir ses symptômes. C'est Michel Foucault qui raconte ça dans La naissance de la clinique. On lui fait sortir des symptômes standardisés. Alors c'est intéressant, ça permet de détecter et de soigner les grandes maladies, les symptômes lourds, les fractures, les fièvres, les infections. Mais nous savons que la santé, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et que la bonne santé, c'est pas seulement être en bonne santé à l'hôpital, c'est être en bonne santé dans son environnement, là où on vit. Mais là où l'on vit, c'est très compliqué.
il faut beaucoup d'informations. Ben, ça tombe très bien, parce que le jumeau numérique peut être enrichi d'une quantité pratiquement infinie d'informations. Donc, on va pouvoir ajouter à ce jumeau, à son anatomie, à son histoire, s'il a fumé, etc., on va pouvoir ajouter une quantité phénoménale d'informations. D'où vient le vent quand il dort? Ses champs magnétiques, j'ignore tout à fait si ça a une importance, mais peut-être grâce à ça le découvrirons-nous un jour. Les produits de vaisselle qui sont utilisés, etc., etc., et tout ça nous échappe actuellement dans cette médecine des symptômes lourds. Nous allons pouvoir intégrer les influences environnementales tout à fait ténues, et en plus nous allons pouvoir les modéliser non pas par une exposition de 5 ans, mais par une exposition virtuelle de 80 ans. Et nous vivons, nous sommes centenaires potentiels. Donc, nous avons grand intérêt, pour connaître notre santé future, à avoir ce jumeau numérique capable d'agréger des quantités phénoménales d'informations, et nous allons créer une nouvelle nosologie, une connaissance de nouvelles maladies, et de manière à avoir un impact sur eux. J'appelle cela la médecine des signaux faibles, et ce sera sûrement quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, est-ce que il faut toujours payer le prix de la transparence et des transgressions que cette transparence suppose? Je reviens aux interdits. Alors, vous savez que on vante toujours les Égyptiens pour leur ouverture du corps, pour l'embaumement. Mais en fait, on oublie que l'embaumeur, celui qui avait le fameux couteau dont j'ai oublié le nom, qui ouvrait le corps, à la fin de cette procédure, était chassé du village par lapidation. Symbolique, parce que bon, il y a un savoir-faire, on peut pas à chaque fois l'éliminer, il faut penser au suivant. Donc, est-ce que finalement il y aura une lapidation symbolique de cette nouvelle transgression que nous sommes en train d'installer? Et là, je voudrais, pour conclure, évoquer trois mots. Le premier, c'est responsabilité. Le second, c'est liberté. Et le troisième, c'est une construction biodiversité de la pensée. C'est marrant, on parle beaucoup de la biodiversité des animaux, et c'est justement très très important, mais on ne parle pas de la diversité de la pensée humaine. Commençons par la responsabilité. Historiquement, en chirurgie, la sécurité du patient repose sur la décision du chirurgien qui émane cette décision de sa capacité à peser les choses, hein, responsabilité, la capacité à peser les choses, et donc à ses connaissances. On va graduellement remplacer tout cela par des algorithmes. On l'a vu, hein, nos collègues nous ont déjà montré ça. Alors, un algorithme, je vais faire comme Sylvain tout à l'heure, je vais sortir mon téléphone portable avec un commentaire. Le téléphone de 1970, je vois des gens qui n'étaient pas encore nés en 1970, j'étais déjà en état d'essayer de réparer un téléphone, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je crois que j'étais capable de réparer un téléphone. Là, si celui-ci tombe en panne, c'est même pas la peine de me demander. Alors vous allez me dire, mais ah oui, mais il fait beaucoup plus que téléphone. C'est tout à fait vrai. Mais néanmoins, je l'utilise comme téléphone. Je suis plus capable de le réparer. Alors, ni même de comprendre comment il fonctionne. Un algorithme, c'est un peu comme un téléphone portable. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses, c'est absolument formidable. Sauf que c'est construit à partir d'immenses quantités d'informations. Mais il n'empêche que, pour le construire, on a choisi quelles informations? Peut-être vous ne le savez pas, moi je ne le sais pas. Quand j'utilise un algorithme, je ne sais pas ce qui a nourri comme information cet algorithme. Alors c'est un petit peu embêtant quand on va devoir, in fine, décider d'un geste qui va peut-être décider de la vie ou du handicap d'un patient. Et puis, cet algorithme aussi, il s'établit en dessinant des priorités, c'est-à-dire qu'on va privilégier tel aspect de la décision par rapport à tel autre. Alors bien sûr, on est sûrement tous d'accord sur ces priorités, peut-être à un certain moment, mais pendant le temps chaud d'une intervention, peut-être que ces priorités ne sont plus exactement les mêmes. Et est-ce que l'algorithme sera pertinent? J'aurai mon téléphone portable pour opérer, hein, donc on ne me demandera pas de décider. Donc cette notion
de responsabilité chirurgicale, d'ailleurs a été évoqué tout à l'heure, est quelque chose d'extrêmement important. Et la question, c'est est-ce que l'opérateur ne sera pas ni sachant ni décidant, il sera exécutant et il risque de ne plus être responsable, si au sens latin des termes, capable de peser les choses. L'autre point de la responsabilité, c'est la boîte noire du bloc opératoire et la pression juridique. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est important d'encadrer la responsabilité médicale, mais justement, si elle échappe, on l'a dit tout à l'heure, il y a une question posée, qui est responsable ? Est-ce que c'est vous qui avez créé ces formidables outils extraordinaires ? Est-ce que c'est le chirurgien qui les utilise ? Est-ce que c'est le collège des deux ? Est-ce qu'on délègue sur une entité juridique publique les conséquences de ça, comme il existe l'ONIAM actuellement depuis la loi Kouchner ? Mais, inévitablement, la chirurgie s'accompagne d'accidents. Actuellement, ces accidents sont rares, il faut quand même le dire, les accidents chirurgicaux sont rares. Donc, quand un accident surviendra, qui prendra la responsabilité de la décision ? Se sachant observé par un système omniscient, avec un système juridique punitif. Qui voudra exercer la responsabilité ? Le deuxième point, c'est la liberté. La naissance de la clinique, je reviens à Foucault, je ne suis pas un grand lecteur de Foucault, mais quand même, il a écrit des choses intéressantes. Ça a été la création de l'asile psychiatrique. L'asile psychiatrique, c'est sortir le fou du village, où il bénéficiait quand même d'une relative bienveillance, pour l'enfermer. C'est ça la base de la psychiatrie. Qu'est-ce que la société du jumeau numérique nous promet ? Avec une accumulation d'informations sur les individus et sur les groupes d'individus énorme. J'appellerais cette accumulation totalisante, pour ne pas dire totalitaire, potentiellement. Totalisante dans sa forme, totalitaire dans son utilisation, éventuellement, selon qui en aura le pouvoir. C'est un enfermement sans mur, bien sûr, mais c'est aussi un enfermement potentiellement sans échappatoire et sans limite. Dans cette redistribution des savoirs, des pouvoirs, des libertés, que restera-t-il de la personne humaine telle que nous la concevons actuellement ? J'ai terminé par la biodiversité de la pensée humaine. Le jumeau sera individuel, mais il sera aussi assez moyen, finalement. Il sera érigé en norme qui est la bonne santé, en norme qui est le bon aspect en chirurgie esthétique. Traiter de grandes sommes d'informations signifie créer des hiérarchies, on l'a vu tout à l'heure, ces fameux algorithmes. Alors un algorithme, c'est fort, c'est beaucoup plus fort qu'un mandarin hospitalier, c'est beaucoup plus fort qu'un super patron, c'est beaucoup plus fort qu'une école de chirurgie. Parce que c'est fait sur la vérité, puisque c'est fait sur la somme d'informations. Et c'est fait pour le bien de l'humanité, puisque c'est fait pour guérir. Aller renverser ça, ça va être extrêmement compliqué. Pour la recherche, la création scientifique risque paradoxalement de souffrir de ce monde de transparence hypernormé, parce que ce monde de transparence et hypernormé, on le voit avec les réseaux sociaux, est un terrain d'influence et de pouvoir, et aussi un terrain d'hyperconservatisme intellectuel. À la perte d'autonomie de décision du chirurgien pourrait correspondre l'effacement de la liberté des hypothèses contradictoires. Il sera bien compliqué de penser contre la norme imposée par la masse d'informations qui feront loi et obligation. Alors, je dresse un portrait un peu, peut-être un peu à charge, en tout cas, je ne voudrais pas. C'est sombre. Un peu sombre, mais je trouve que des événements récents sur la planète ne nous éloignent pas, hélas, de cette manière de voir les choses. Je pense que pour que le jumeau numérique soit un allié
dans la bonne santé des individus et des populations, eh bien, il ne faut pas qu'il serve de cache-misère, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il serve d'alibi à l'absence de politique de santé et à l'absence de politique de recherche. C'est très facile de dire, mais nous allons confier l'avenir du système de santé aux robots, enfin aux jumeaux numériques. Ce jumeau va régler tous les problèmes. Non, cela ne nous dispense pas de réfléchir à ce que nous voulons faire du soin, où nous voulons placer la responsabilité. Si nous voulons déplacer la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles en seront les conséquences? Et au fond, ces technologies sont absolument formidables, nous en avons eu quelques aperçus. Cela va nous apporter des choses extraordinaires, je le pense vraiment une nouvelle médecine, une nouvelle compréhension du fonction du corps humain et de manière d'agir dessus. Mais il nous faut étayer tout cela par une très bonne et très solide culture humaniste. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup, Eric, parce que c'est vraiment passionnant. On a transformé un peu l'académie de chirurgie en académie de philosophie, mais c'est bien hein, parce que ça nous élève. Alors moi, j'avais peut-être une réaction immédiate à ton, en particulier à la conclusion. Est-ce que tu, on n'a pas défini finalement la santé du jumeau numérique? Oui. Et c'est peut-être ça qui manque, parce que si on se base sur un jumeau numérique pour imaginer la santé de ton patient, il faut imaginer la santé du jumeau numérique pour être dans l'idéal de ce qu'on peut faire. Oui. Et à ce moment-là, on est moins dans peut-être dans l'ambiguïté et la gravité de la perte de liberté et de l'enfermement. Alors, je vous signale, par ailleurs, il y a aussi un autre thème que tu aurais peut-être pu aborder, oui, mais qui est celui du jumeau de la pensée virtuelle. C'est-à-dire la virtualisation de la pensée du jumeau. Oui. Parce que, si tu veux, ce qui est important dans l'individu, c'est notre psychisme. Dans quelle mesure on est probablement en capacité d'avoir un jumeau de l'être humain tel que tu es aujourd'hui, ou peut-être que tu l'as été il y a 20 ans et que tu le seras dans 30 ans. Et si on avait la mémoire de tout ceci, on pourrait se référer à l'expertise, au travail formidable que les uns et les autres nous avons fait, et peut-être nous resservir de nos hologrammes historiques, de nos aptitudes qui pourraient être mémorisées. Je vous renvoie à la lecture d'un truc très très marrant qui s'appelle, c'est Gabriel Naedj, cherché sur, je vous en ai parlé l'autre jour, ça s'appelle « Ce matin, j'ai téléchargé maman ». Et maman est morte. Évidemment, il l'a téléchargé parce qu'il a toujours besoin. Alors c'est un juif séfarade qui a toujours besoin de sa maman pour faire ses choix dans la vie. Et donc il est perturbé. Il doit choisir une nouvelle femme, un truc comme ça. Et il n'a pas son référent pour lui donner des conseils. Et alors heureusement, maman a été téléchargée ce matin, et donc il peut la consulter en permanence et elle lui redonne les bons conseils qu'elle lui donnait depuis sa petite enfance. Formidable. Alors lisez ça parce que c'est drôle et en même temps peut-être on est dans le métaverse vraiment là. Oui, oui. Formidable. Oui. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors il y a un numéro fantastique dans Science et Vie cette semaine ou la semaine dernière, justement sur le métaverse, la physique quantique, la mécanique ondulatoire de la lumière. Et il y a toutes les questions philosophiques pensées sur le métaverse parce que il est possible que la réalité que nous-mêmes qui sommes là, soyons nous-mêmes quelque chose qui avait été programmé par des hommes du futur, qui ont programmé différents types de situations que nous vivons de façon parallèle. Et c'est assez passionnant parce qu'on est dans la physique quantique, physique ondulatoire. Et c'est vrai que le problème du métaverse, il est possible qu'il y ait plusieurs métaverses et que les métaverses, finalement, correspondent à des scénarios que nous sommes en train de vivre nous-mêmes actuellement et qui font partie des scénarios possibles qui sont imaginés par les hommes du futur nous concernant. Formidable. Formidable. Ouais.
On va devoir terminer la séance parce que je crois qu'on a fait un travail formidable. Il y a peut-être une démonstration avec ceux qui veulent voir sur un casque de réalité virtuelle. En tous les cas, merci parce que je crois que c'était une séance assez originale, très intéressante parce que tournée vers le futur. Et donc, il faut remercier Ronald Virag et tous les orateurs qu'il a su nous amener aujourd'hui parce que je crois que c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci.